On a fait les gueules qu'il fallait faire. On a fait les gueules qu'il fallait faire. Incroyable. Costaud. Oh. Oh non. Oui. Ouais, super. C'est un beau draw de gaucher, quoi. Les amis, 2,40, on prend un 3 après. Hein. Driver, vent contre. Tourne. Je crois que je suis green, monsieur. Voilà comment c'est une bonne première partie, une deuxième partie, tu vois. Tiens, tu peux, t'as pas besoin de te déchirer, hein, mais green plus près que moi, quoi. Oh, elle est green aussi, celle-là. Passer derrière. Ça a trop roulé? Ouais. C'est derrière le green. Bon, on va bien. Allez. On est bien lancé pour cette deuxième partie. Bienvenue à tous les amis. Salut tout le monde. Vous l'avez vu, on a deux balles sur le green. C'est la deuxième partie. On est pas loin. Attends, on ne sait pas où on est. Oui, on a deux balles pas loin du green, quoi. On est sur la deuxième partie ici au Golf de Beach pour essayer de jouer le plus bas possible des rouges. Le 58, ça a changé, hein. Le 58, on l'a oublié. Voilà. Par contre. Mais on peut aller chercher. Bon, 60, faut aller chercher. Faut aller jouer le 60. Moins 13, ouais, c'est chaud. Ah, moins 13, c'est chaud. Moins 12. En fait, faut faire le même score que Bryson. Faut jouer le même score que Bryson, sauf qu'on a un scramble. Voilà, tout est dit. Donc, on espère que vous allez kiffer. N'oubliez pas dès le début, petit bouton bleu. Petit bouton s'abonner à la cloche et on va aller voir où sont nos balles. Alors oui, il fait très très chaud, donc là je viens de boire cul sec, un demi-litre. Donc Luc est là-bas, très green, propre, très propre, mais approche pas évidente. Approche, je pense qu'on sera plus, on sera mieux ici. Mm-hmm. Bon, allez, faut approche donnée, on passe au prochain. Il en manque un peu, dommage. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Allez, avance, avance, avance. Allez, ça se laisse un petit 1,50 m pour le birdie. Moi ou toi? Toi, je pense. Ouais, super. Allez, on commence par un birdie. Allez. Moins 6. Moins 6. Ok, par 5, 385 mètres des rouges. Là, ben, faut se laisser un peu moins de 140 mètres. Ça serait cool. Faudrait se laisser 100 mètres. Ouais, mais... De 80, ça va? Oui, ok. Ok. Ça va. Avec le fairway qui est un peu en montée, tu sais. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, non, mais après, c'est ça aussi, c'est trompeur, parce que si le drapeau, il est au fond. Oui, oui. Allez, déjà, une en piste, très bien. Ah, la pointe de merde! Elle est là. Elle est là. T'as eu un appel en même temps? Oui. Ah, c'est jamais bien, ça. Oui. Costaud. Pas loin des 135, là-bas. J'ai pris basse, mais on prend... Beau drive, Tom. Il reste combien? On est au 135. Reste 163 avec la montée. Aïe. Oh, mais je fais des shots de merde, là. Gratte. Je sais pas. Après, le rough, il est pas évident. Ouais, bon, d'accord. Mais j'ai pas mis un coup de fer. Oui. C'est un peu gratté, non? Ah non. Tu peux être bien, là, non? Tu peux être très bien, oui. Allez, bah peut-être putt pour Eagle. Allez, ça se rentre, ça, hein. Beau shot. C'est. Et moi, en fait, ça va, je suis à hauteur. Alors que je suis 14 d'index, quoi, 13 d'index. Donc là, je suis dans le bac à hauteur du drapeau, je suis content, en fait. Bon, attends, là, faut se concentrer, là. C'est vrai que c'est pour passer moins 8. Moins 8, c'est pas la même, hein. À moins 8, le moins 12, il se rapproche beaucoup plus. C'est petit gauche-droite. Ouais, c'est même une balle à gauche. Pas tellement. Ok. Je vais mettre une demi-balle à gauche. Ça te va? Si tu la rentres, ça me va. Oh! Il y a quoi? Il y a une roule de balle? Il y a deux roules de balle. Bon, c'était ça du coup, hein? Bah, bord gauche avec plus de vitesse, quoi. Pour faire ton eagle tout seul, là. Vamos! Celui-là, il fait plaisir. Moins 8. Moins 8. Allez, là! Le moins 12, il y a plus que 4 coups. Si tu es bon en maths. Oui, effectivement. Et il reste 6 trous, 7 trous. Le moins 15 est toujours possible. Oui, bon. Parce qu'il faut faire moins 10 sur 9. Et là, pour le moment, on est bien parti. Et là, on est moins 3 après 2. Donc là, maintenant, il ne faut plus que faire des birdies. Oui, mais vu comme ça. On a fait les gueules qu'il fallait faire. On a fait les gueules qu'il fallait faire, en effet. Allez, là, ça remotive, ça. C'est quel trou? C'est le 12? Il y a 240 entrées. Donc là, il faut faire birdie, là. 240 mètres? Oui, là, il faut faire birdie. Je grattais au drive.
Mais ça... C'est à hauteur ou pas loin du tout, non? En vrai. Là, j'ai pitché à 200 mètres, là. Plus que ça. Ah! Dommage. Stop. Je l'ai pas vu rebondir. Elle est trop longue, peut-être. Hein. Bon, il y aura la mienne, au pire. Hein. Ouais. Ça va être un peu court, ça, non? Ouais, c'est court. Avance. 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 Ouais, bien, Tom. Ça va? Il y a 2 mètres, 2 mètres 50. Ouais, ça se rentre. Hein. Ah. Ah, dommage. Ah, le par. Toujours. Après, encore une fois. Ouais. Quoi? Mais les greens sont pas simples. Hein. Genre là, le gauche-droite, il était trompeur. Allez, toujours moins 8. Ouais. Départ du trou numéro 13. Par 5. Ah, ça j'aime bien. Ouais, mais pas évident. Ah, mais c'est en descente. Hein. Et à gauche. Et il est long. Genre combien? Des rouges. Vol d'oiseau, c'est 440, mais avec le dos de la ghetto, ça doit être 460. Ah ouais, ouais. Des rouges? Ouais. Ah, et c'est un vrai par 5. Quoi. Ah ouais, là, c'est. Ah, toi, tu peux aller à la corde un peu. Ouais. Superbe. Fouh! Incroyable, celui-là. Là, je récupère mon tee, par exemple, tu vois. Ouais, là, tu vas récupérer. Vas-y, j'ai envie d'essayer d'accélérer. Bah, vas-y. La mienne, là, elle est bien, là. Enfin, essaye d'accélérer en draw, quoi. Non, je vais aller au-dessus des arbres. Quoi. La distance que tu gagnes en draw Non, si tu la tapes bien en fade, tu perds pas de distance. Oh! Oh, elle peut être très très bien. Elle peut être monstrueuse. Revenu plein milieu fairway et tout, ça peut être monstrueux. Et tu sais ce que je me dis là? Quoi? C'est que là, t'as dû faire peut-être 100, allez, 180 de ball speed. Ouais. Bah Bryson, il est à 190 à tous les départs. Et 10 miles de plus que 10 ça. 10 miles de plus que ça. Et ouais, non, je suis même pas à 180. T'es pas à 180, je pense. Je suis à 175. Ouais, quelque chose comme ça. Bryson, il a 190 de ball speed. Non, peut-être pas sur tous les départs. Il est à 185 sur tous les départs. Mais... Sur sa partie, il est à 190. Hein. Ouais, mais très beau shot. Pas le même sport. Putain, j'ai pensé à quoi là? Non, mais je sais même pas à quoi je pensais là. Et sur le principe, il faut penser à rien en fait. C'est pas maintenant qu'il faut penser à un truc. Non, mais si t'as eu une bonne intention, peut-être essayer de la garder. Ouais. C'est pas oui, j'ai pensé à ça. C'est juste une intention et essayer de la garder. C'était quoi ton intention hein? Je sais pas. Je crois, toujours, hein, de pas avoir le coup d'épaule là. Le garder. Et je pense que t'as un peu le même problème que moi. Oui. Elle est revenue comme il fallait. Tu seras peut-être, je sais pas, tu seras peut-être mieux que moi. J'ai coupé moi. T'as bien coupé quand même. Hein. Par contre, je vois pas de balle là. Je pense qu'on en a mis deux énormes et qu'on a passé les 135. Je suis deck si tu m'as mis des mètres. Non, je pense pas. Non, pique. Mais là, il y aurait un immeuble entre la tienne et la mienne parce qu'on la voit même pas. Ça, c'est la tienne? Oui, c'est une pix. C'est chelou ça. T'es pas resté en haut là, non? Je pense pas. Hein. Très chelou quand même. Ouais. Bon, bien joué quand même, Tom. Merci. La mienne, on la retrouve pas alors que j'étais très content de mon drive. 118. Ça fait combien là du coup? Je pense que j'ai fait 300. Allez, une occasion de... Là, il faut faire birdie, donc en gros, eagle, quoi. Ça serait cool, ouais. Avance. Allez, sois bien, s'il te plaît. Ah oui, superbe. T'es peut-être donné, mec, là. Dans ma tête, j'avais envie de te dire, bon, ce serait peut-être temps que tu mettes un coup de fer. Quel bâtard. Je me suis dit, je vais me taire. Quel bâtard. Incroyable. Merci. Moi, je me suis même pas aligné et tout. Je suis un gros con. Milieu de green. Super shot. Milieu de green, sécurité. Allez. Putt pour eagle et passer moins 10. Allez. Superbe. Moins 10. Moins 10. Putain, le retour est un peu mieux que l'aller quand même. Ouais. Moins 10, le moins 12, ça devrait se faire et j'espère. Bon, il n'y a plus de par 5 par contre. Hein. C'est ça, on n'a pas encore fait de par 3 là sur le retour. Ah oui, il va y avoir 2 par 3 je pense. Ok, par 3, handicap 2, 156 mètres des rouges. Ah oui, des blancs, il fait pas rire celui-là non plus. Hein. Je suis agréablement surpris par le parcours, franchement il est... Je pense qu'à la vidéo, il va bien rendre avec les arbres et tout. Là. Ouais, il est très très beau. Dites-nous en commentaire comment vous le trouvez. 157, faire 6 pour Luc. Oh, elle est belle. Un peu à gauche, mais... Bah, je suis allé là, parce que j'ai l'impression que tout dégueule à droite, non? Mais il y a un green là-bas. Le green, il est pas comme ça. Hein. C'est pas faux, ouais. Gauche, oui, mais c'est bien, c'est bien. Tu dois être milieu de green. Ça peut se rentrer aussi, ça. Hein ouais, il y a 5 mètres 50 en descente gauche-droite. Oh, dommage.
C'est plein trou, non? Oui. Avance, avance, avance. Ah, dommage, c'est un beau putt. Bah, ça fera pas birdie sur celui-là. On reste à moins 10? On reste à moins 10. Et on arrive au 15. Encore 4 trous, il faut faire 2 birdies. C'est chaud quand même. C'est quand même assez atypique, parce que du coup, on doit toujours attendre, parce que la partie de devant, elle est sur le green. Mais du coup, en fait, on tape et on va sur le green. Donc c'est super chelou. Enfin, en tout cas, on est en direction du green. Il y a combien là? De 50 entrées. Allez, hasta là. Ça devrait aller, non? Ça devrait aller, ouais. Tourne à droite! Tourne! Elle sera à peu près au même endroit, non? Elle sera. Je suis beaucoup plus à droite que toi. Moi, je pense que je suis à côté du green. Ah bon? Ouais. Ok, bah bien joué. On va aller voir ça. Moi, je suis allé. J'ai fini à 1 mètre à gauche du tronc, là. On a notre balle. Tu prends le. Ouais. Je le laisse, vas-y. Ça peut se rentrer, hein? Ça peut se rentrer. Un eagle sur un par 4, ça peut toujours être en bonus, tu vois. Le moins 12 sur un eagle sur par 4, ça peut toujours. Ah, on est à moins 10 là? Bah, je crois, non? Pas mal. Luc? Quoi? T'aurais pu me dire bien joué quand même. Je t'ai pas dit bien joué? Non. Bien joué, Tom. Merci, Luc. Au moins, on n'a pas un chip à faire. Ouais, là, normalement, on arriverait à se mettre proche. Ah, ça va être en dessous. Oh. Mais c'est donné. C'est un gauche-droite, hein? Hein? C'est un vrai gauche-droite quand même. Hein. Bon, on fait birdie et moins 11 quand même. Oui, oui. T'as bien vu mon pote. Oui. Un gauche-droite. Donc t'as pas intérêt à te refoutre au même endroit que moi, quoi. C'est juste ça. Allez, c'est donné ça. Ça fait birdie donné. Moins 11. Moins 11 quand même. En vrai. Oui. Quand même. Moins 11, il reste combien de trous? 3 trous. Faudrait faire eagle et birdie pour faire moins 15 quoi. Et déjà faisons le moins 12. Ça va être un par 3 là, un par 4. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait des par 3 aussi dans l'équation. Là, on avait peur parce que regardez. Donc là c'est un gros dos de leg droit. Donc moi je déteste ça. Moi ça allait. Tom ça allait. Mais en fait ça c'est, les bleus sont là, les blancs sont là-bas et les rouges sont... Ah, il y a même une petite allée pour nous, un petit chemin. Ça c'est le chemin. C'est le chemin de l'eagle ça, je te l'annonce. Chemin de l'eagle, en descente en plus. Ça peut se toucher ça, non? Oui, oui, il y a en descente en plus. Là, Tom, c'est là qu'il faut aller chercher l'eagle. 267 avec la descente, mais il y a vent contre, protégé par deux bacs. Aïe. 272, ça va être chaud là quand même. Incroyable. Oh! Oh, elle peut être pas mal celle-là. Celle-là, elle peut peut-être être au green, Tom. Hein. Et surtout, non mais surtout, dans la direction du drapeau. Elle a peut-être quand même un peu plus tourné à gauche, non? Franchement, je suis pas sûr. Ah bon? Ouais, franchement. 2,70 carrés, il y a quand même du vent. Oui, c'est vrai. Elle est partie quand même, hein. Elle est partie assez forte. Hein. Tu penses que je dois la taper forte, là, du coup? Ah bah oui, oui. Parce que si toi, tu penses que la mienne, là, n'est pas green, il va falloir que t'en mettes une quand même, hein. Excuse, Bryson. Voilà. Putain. T'as pris la barrière de devant? Ouais. Tu l'as fait partir basse, en tout cas. Elle était basse, oui. Bon, la mienne, elle va être pas mal quand même. On peut pour une fois se reposer sur mes balles quand même. Elle aurait pu glisser encore un peu. Ah, punaise, oui. Bon, je te dirais bien, on peut chipper le boîte, mais avec ce qu'on a fait depuis le début, un peu moins en confiance, tu vois. Il faudrait quand même se mettre donné là. Ah oui, bah là, on est obligé, Tom. Il y a moins que le putt qu'on avait sur le par 4 sur la première partie. Tu prends quoi comme club? Je prends 52. Stop. Il reste un putt. Allez, stop. Bon, bah, c'est pas donné, hein. Au moins, on sait quel secteur il faut qu'on bosse. Enfin. Bah, tout, quoi. Oui, mais bon. En vrai, driving, ça va. Ouais. Là, avec les approches qu'on a, on s'est jamais mis une fois donné. C'est pas faux. Ouais, bien joué. Moins 12. Moins 12. Bryson. Bryson a fait moins 12, mais tu vois comme je suis là et comme je suis fatigué. Genre lui, il a fait ça tout seul. Nous, on est là, à deux. On galère. On galère, mais comme des fous. Mais bon, moins 12 quand même. Moins 12, des rouges en scramble. Très très con comme mode de jeu, mais c'est marrant en vrai. Bon là, par 4, 311 mètres, je crois. Enfin, c'est ce qu'il y avait sur le panneau. Ouais, c'est un peu chaud, parce qu'il faut absolument faire tourner, sinon on est dans la forêt en face. Donc là, je compte sur le draw de Luc. Incroyable! Elle est folle! Aucun finish, rien. Dégueulasse les finishes.
Ça fait les draws comme je veux. Elle est bien celle-là, non? Ouais, celle-là, elle est bien. Moi, je vais faire du draw. Montre-moi comment tu fais du draw. C'est du draw de gaucher. Beau draw. C'est un beau draw de gaucher, quoi. C'est du draw de gaucher. Ouais, c'est un par 3 pour finir. Il est énorme, le drive. Ouais, je suis content. Celle-là, t'as fait 2,90, quoi. 28 mètres. Je vais prendre 48. Hein. C'est dommage, un peu plus. Oui. Ah là là. Avance. On est vraiment nul, hein. Mais vraiment, là. Genre vraiment, vraiment. Vraiment, ça m'énerve. Vraiment, vraiment. Et c'est quoi, c'est des grattes à chaque fois? Non, c'est, j'en mets juste pas assez. Mais même là, ça, c'est pas, je veux pas cette trajectoire. Et il le fait. Oh, il le fait pas. Dommage, c'était bien poté. J'ai visé plein de trous, hein. Donc c'est peut-être un tout petit droit de gauche. Pas du tout. Il est dur ce sport quand même. Hein. Bon, on dit ça, on est moins 12, mais on est moins 12 ou moins 13? Moins 12, je crois. Allez, moins 13 pour le 60, très bien. Ah, il serait beau celui-là. Et le souci, c'est qu'on finit sur un par 3. Là. Oui, il serait bien de birdie un par 3 quand même. On l'a pas fait une seule fois. Non. Dernier trou. Dernier trou pour essayer d'aller chercher le... Moins 13. Moins 13. Ou moins 14, 3 en 1. Ce serait bien ça. Tu le comptabilises si tu pars des rouges? Bah oui. Je sais pas si je comptabilise moi. Mais bon, il y a des gens sur la terrasse, j'ai pas envie de payer le champagne là. Enfin, si, ça me plairait quand même. Il y a 110. Allez. 110, c'est bon, un peu avec. Je vais prendre un pitch. Ah, elle tourne pas. C'est dommage parce que t'es vraiment aligné là. C'est vrai? Ouais. Allez Tom, hein, tous nos espoirs sont sur toi. En fait, déjà, une balle sur le green parce que ça me ferait chier de faire un bogey quand même. Parce que non, mais celle-là, elle est derrière le bac, hein. Et un petit chip. Ouais, bah t'as vu comment on chip aujourd'hui? Ouais, j'avoue. T'imagines, on finit par un bogey. On fait moins 12, moins 11 du coup. Et on réussit pas notre défi. Mise en confiance après un shot, c'est cool quand même. Oui. Ah, elle est pas à droite quand même. Oh, le kick. C'est très mal tapé. C'est vrai? Ouais. Et peut-être que la discussion qu'on a eue avant ton shot n'était pas la meilleure. Bon, ça serait bien d'en mettre une donnée. Là, le bogey, je le sens arriver, tu vois. Kick. Elle est là. Avance. Avance. Ah, je voulais pas me laisser ça pour pas faire le bogey, Tom. Ah là là, ce testeur pour rester à moins 12. On en est loin du all-in-one, là. Ah ouais, non, mais il reste 2 mètres, là. Ah bah oui, oui. Bon, c'est tout droit. Et franchement, on le mérite. Ouais, on mérite. Oh non! Bon. Non, pas une virgule pour finir, là. On le mérite. Oh non! Mais non, mais non. Voilà, on fait un bogey, quoi. On scramble des rouges. Rien n'est jamais acquis, les amis. Waouh, je ne m'y attendais pas à celui-là, tu vois. Bon, ben, les amis, ben, on finit à moins 11. Bien, Tom. Ah, mais on a été nuls. On n'a pas été fous. Ben, il y a eu des très bons shots, quand même. Ouais, mais en règle générale, franchement, on a plein d'occasions. Ouais, j'avoue. Que... Bah, les trois putts sur, quand on est sur le green. On n'a aucun birdie, genre facile. Donné, facile. Et genre, on n'a fait aucune approche donnée. Aucune. Donc voilà, nous on a une compète dans 2 jours, ça s'annonce bien, tu vois, ça nous met dans une bonne condition. Bref, c'était quand même bien marrant de mettre des gros drives et essayer d'aller chercher les greens. On espère que vous avez kiffé, les amis. N'oubliez pas, petit bouton bleu, petit bouton s'abonner, la cloche. J'espère que les micros. On fonctionne encore. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je crois que j'ai bien cramé et bien rougi là. Hein. A plus tout le monde. Ciao tout le monde. Et merci, pardon, on a oublié de le dire. Merci encore au golf de nous avoir accueillis. Qui, on le redit, mais très très sympa ici. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est pas le golf le plus facile que j'ai pu jouer. Et c'est un golf assez connu dans la région en plus. Donc pour les gens qui viennent un peu dans la région est de la France. Et qui veulent découvrir des beaux golfs, celui-là doit être sur la liste. Celui-là, il doit être sur la liste. Voilà. Et ben bonne journée tout le monde, ou bonne soirée, et à plus. Ciao.